sera en première vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vous montrerai comment customiser des voitures de flics, des taxis, des camions de pompiers et des ambulances. Donc pour commencer ce glitch, vous devez prendre une voiture qui n'est pas customisée. Donc pour commencer, vous prenez une voiture pas customisée. Donc une voiture de PNJ, une voiture qui est dans votre garage. Donc moi je prends une voiture qui est dans mon garage. Là vous voyez que la voiture de flic, donc la voiture de flic est customisée. Vous voyez c'est marqué atomique. Donc vous prenez une voiture de votre garage ou de PNJ. Moi je prendrai elle. Vous rentrez dans pardon. Vous rendez dans un Los Santos Custom. Donc moi je vais prendre celui qui est pas loin de mon garage. Donc vous y êtes, vous allez customiser votre voiture de A à Z. D'accord. Si vous avez pas assez d'argent, je vous conseille de customiser la peinture, la plaque et les roues et le moteur. Comment j'ai 1 million parce que j'utilise pas trop l'argent dans le jeu. Donc on va la customiser, hop, on va tout mettre. Donc vous customisez tout ce que vous pouvez. Je vais la mettre en chrome. Là, je conseille de mettre l'épreuve des balles et changer les roues aussi, ouais. Et il y a customiser aussi, je sais plus où c'est. Faut que je retrouve. Couleur de jardin. Voilà, customiser, hop. Donc là, il y a le truc pour dire que les roues sont customisées. Donc ensuite, je crois qu'il y a tout qui est modifié. Ouais. Une fois que vous avez fait ça, vous allez quitter le Los Santos Custom. Vous allez vous rendre au même endroit que moi. Vous allez vous rendre ici, à la fourrière. Enfin, c'est pas trop ici parce qu'il faudra se décaler. Enfin, vous allez voir. Vous allez vous rendre à la fourrière. Moi j'ai pris une voiture de mon garage parce qu'après il faudra l'abandonner et elle sera. Et aller. Elle sera après à la fourrière donc. C'est pas trop un problème. Directement, je pense. Voilà, je me suis trompé dans le jeu, je crois. Voilà. Vous allez passer ici. Une fois que vous serez là, vous allez vous mettre à l'auteur de ce pont, l'autoroute, enfin, c'est comme ça, l'autoroute, je sais pas quoi. Vous allez mettre à sa hauteur, vous allez continuer tout droit. Toujours tout droit. Et là, vous tournez ici. Vous allez vous garer n'importe comment. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une voiture de flic. Donc ça, vous faites le bordel, soit vous allez récupérer une. Moi, je vais aller en récupérer une. Vous allez la fourrière. Donc là, je parle pas trop parce qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Là. Là on est arrivé, donc je sais pas si ça marchait avec les motos, mais j'ai pas essayé, mais je pense pas. J'ai pas essayé avec cette voiture non plus, moi j'ai essayé qu'avec celle-là.
Donc pour ceux qui font comme moi, je vous conseille d'avoir le code triche pour avoir les flics. Je vais le mettre dans la description. Une fois que vous l'avez, vous rendez encore au même endroit que moi. Donc sur le centre de port ici. Donc, je le remontre pour ceux qui l'ont pas vu puisque je suis allé vite ici. Donc une fois que vous avez mis le point, vous y allez. Donc là on s'y rend vite. Dans les commentaires, dites-moi si vous voulez des gameplays de certains jeux. Parce que vous n'êtes pas trop actif en commentaire. Dites-moi si vous voulez des gameplays de certains jeux, je l'ai fait. Si vous voulez faire des activités sur GTA, des missions, des courses, si vous voulez faire du Black Ops 3, du Watch Dogs 2 peut-être, enfin, dites-moi ce que vous voulez faire, je ferai avec vous. Donc une fois que vous êtes avec ce jeu, pardon, une fois que vous êtes à cet endroit, c'est le même endroit que moi, donc c'est la sorte de pente là qui descend. Moi je vous conseille de mettre le gyrophare, hein. Parce que je pense que ça arrête, donc il n'y en a pas besoin. Donc vous noyez le moteur et les deux roues. Jusqu'à ce que vous ne pouvez plus reculer. Donc je crois que normalement vous entendez un petit bruit. Voilà comme quoi bah voilà les phares sont éteints. On entend toujours le petit bruit qui fait en sorte qu'il n'y a plus de moteur. Donc là vous voyez, il n'y a plus de gyrophare. Je peux plus reculer. Donc là vous voyez la voiture est bloquée. Donc vous allez changer de personnage. Moi je vais prendre Franklin. Une fois que vous avez fait ça. Vous allez attendre que la cinématique finisse. Et là vous allez prendre vite le personnage avec lequel il y avait la voiture de flic. Donc moi c'était Michael. Et là vous voyez qu'il se retrouve avec la voiture de flic, les roues atomiques, donc pour dire que ça c'est customisé. Écoutez le bruit du moteur. Donc là je pense que vous avez entendu le bruit du turbo. Je vais essayer de me rendre à la fourrière en espérant qu'il y a une voiture de flic, comme ça je peux vous montrer l'original et la cuisson ici. Quoi, vite s'y rendre. Ah mais écoutez aussi le klaxon, vous avez vu, c'est celui que j'ai mis dans l'autre voiture. Donc là on va se rendre à la fourrière en espérant qu'il y ait une genre de flic. Cette voiture là vous pouvez la mettre dans votre garage, je pense que vous l'avez vu au début de la vidéo. Donc ça marche avec les camions de pompiers aussi je crois, les ambulances, les taxis, tout. Donc là vous voyez, une genre de flic quelque part. On va essayer de faire ça, la bloquer. Ok. On va se partir en course poursuite pour essayer de l'atteindre, pour essayer de l'arrêter. Je pense que c'est ok, d'accord, c'est pas rouge. Allez, descendez. On va faire le coup de triche. Là voilà, on a la voiture de flic, on a la nôtre. On va les mettre côte à côte. On va vite les mettre à côté. Donc vous avez la voiture customisée. Vous voyez, atomique, les roues. On va se mettre en première vue, je pense que c'est mieux. Là il n'y a pas d'atomique, les roues ils sont normales. Ici ils sont customisés, vous voyez, c'est pas les mêmes roues. Ensuite, là je crois qu'il n'y a pas d'aileron. Alors que dans celle-là, il y a un petit aileron. Là, vous voyez. Ouais, il fait nuit, c'est ça qui est dommage. Hein. Là, il y a un petit aileron. Ensuite, j'ai l'impression, ouais, c'est pas la même. En fait, c'est pas. Ouais, c'est. Enfin. On voit qu'elle est customisée. Genre, c'est pas la même. Genre, elle est plus belle comme ça, en fait. Vous voyez que c'est pas la même, un peu.
l'impression que celle-là est un peu plus grande que l'autre. Enfin, ouais, celle-là, elle est. Je la trouve plus belle, celle-là. Ensuite, il y a le pare-chocs, là, ici, vous voyez. C'est pas le même, je crois. Je crois que c'est le même. Ouais, je sais pas, je crois qu'il est changé, mais on voit pas trop. S'il fait nuit, là. Donc là, il y a une voiture de flic customisée. Et une voiture non customisée. Donc je peux la mettre dans mon garage, mais j'en ai déjà une. Donc je vais vous montrer ça. Hop, on va se mettre là-bas. Ça marche avec la voiture de taxi aussi. Donc voiture de taxi customisée, je sais pas trop ce que ça donne. Ah ouais, le klaxon aussi, il est modifié. Ça pourrait peut-être marcher avec la camion de banque. Peut-être. Après, faut avoir la chance d'en trouver sur la route. Je pense qu'une cabine de banque ça peut marcher aussi. Vous noyez le moteur avec les deux roues. Je pense qu'il y a moyen. Pour avoir de l'argent. Après, ils sont pas quand même. Après, ils sont pas. J'ai oublié le mot. Genre si vous la cassez, enfin si vous la détruisez, bah elle sera pas dans votre garage. Je sais plus c'est quoi le mot, je crois. Alors je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, c'est elle est pas. Ah, elle est pas garantie, voilà. Il n'y a pas de garantie que vous la voiture de votre garage. Genre si vous la perdez, vous la trouvez dans votre fourrière, dans la fourrière. Alors que là, si vous la perdez, bah, je crois pas que vous pouvez la retrouver. Je pense pas que je pourrais la mettre dans mon garage, il y a trop de véhicules. Ah si. Ah. Ah oui, c'est la voiture noire. Ça a pris sa place. Donc là, vous voyez, c'est là où il y avait la voiture de départ. Et là, c'est la voiture normale. Donc n'oublie pas de t'abonner, lâcher un like, commenter. Si c'est pas ta foule, merci de regarder. Ciao, ciao.